Alors, le soleil, les bateaux, que faut-il de plus? Nous sommes aujourd'hui sur les récifs de l'archipel des Tamaris, en plein milieu du parc de la Tête d'Or, situé entre le 6e arrondissement et les Berges du Rhône, pour vous faire découvrir et surtout essayer ce nouveau V8 de chez Nissan, avec ses courbes harmonieuses, son habitacle renforcé et son intérieur tout équipé. Je poursuis, si vous le permettez, l'introduction de ce podcast en vous parlant de deux nouveaux albums qui n'ont rien à envier à leurs cousins nippons en matière d'élégance et de tenue de route. On parle évidemment de la berline Fever Ray et sa cousine la citadine signée Corless, ainsi que grand, nouveau et dynamique utilitaire Wash Out qui nous annonce un nouvel album dans les jours prochains. Voici l'émission, justement. Les nouveaux westerns commencent par des deals de drogue, les nouveaux westerns commencent par du Fever Ray, en règle générale. Et surtout, à ce morceau, If I Had a Heart, qui a été utilisé dans la BO de Breaking Bad. Donc If I Had a Heart, c'est un morceau qui est un petit peu coquin parce que c'est un des rares morceaux encore utilisés aujourd'hui, et souvent utilisés aujourd'hui, dans la télévision, etc., qui emploie des voix masculines. C'est très très bien, ça donne un côté très sombre à l'album, et ça c'est vraiment cool. Parce qu'une qui fait un petit peu penser à la BO de Pocahontas, on peut penser à ça un peu. Et du coup, c'est le premier morceau de l'album Fever Ray, du groupe éponyme, du coup. Et ce morceau, il est très sombre dès le début, et il amorce un peu un album qui sera, on s'imagine, sombre et noir, mais qui s'éclaircit au fur et à mesure. Déjà, dès la deuxième track, on a un côté beaucoup plus Empire of the Sun, avec une voix féminine, envoûtante, émouvante, qui fait vraiment plaisir et qui nous déstabilise un petit peu et qui nous fait penser à nous dire mais qu'est-ce que cet album qui commence avec une ambiance très profonde, très, très ancrée et qui finalement s'envole un petit peu. Et c'est pour ça que, à mon goût, à mes yeux, je trouve que c'est un album qui a un côté très rêveur et qui fait énormément penser aux rêves, puisque chaque morceau, chaque track prise l'une après l'autre n'a pas vraiment un sens propre, mais mise ensemble n'a pas vraiment de sens compréhensible, un peu comme vous êtes dans un rêve, vous dites qu'est-ce que c'est que ce split blick différent. Donc il est sympa, on passe par plusieurs familles de styles musicales, on passe de papa cowboy à maman rêveuse, et finalement c'est un petit peu comme l'album de Douglas Creed qui nous fait voyager, par exemple avec ce morceau de Triangle Walks qui est très très sympa. Il y a un côté exotique, un côté avec des percussions claires, et il nous fait voyager un petit peu sur un monde un petit peu savoureux, sensuel, des épices. On a l'impression d'être en Asie, moi j'ai vraiment l'impression de faire un grand voyage en Asie avec ce morceau. Et du coup voilà, c'est un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, comme le premier podcast qu'on a fait avec Douglas Creed qui change de part en part. Du coup, voilà. Moi ce que j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller l'écouter. J'espère vraiment que vous allez ressentir la même chose que moi, parce que c'est une sensation très propre. Je vous laisse poser vos pattes là-dedans et voir ce que vous en pensez. Et on se retrouve après pour la deuxième partie. Au revoir. On est à 350 mètres d'altitude sur le dernier baobab du parc de la Tête d'Or. Et avec nous ce matin, on a l'incroyable chance d'avoir Bernard le Canard, grand fan des coups de prolongée, qui nous soutient à fond derrière. C'est ici qu'on va vous parler de Corless et son nouvel EP, sorti en mai dernier, qui s'appelle Yugen. Pitchfork en avait parlé, ils avaient expliqué ce que voulait dire Yugen en japonais, nous on va pas le faire. On va juste s'occuper de vous mettre de la musique et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Si Inception avait été une sorte de court-métrage, Corless aurait pu en faire une très bonne BO, comme Fever Ray dont on a parlé précédemment. Et le rêve, c'est un petit peu le sujet finalement de ce podcast ou même de cet album. Puisque c'est, vous savez, c'est cette sensation de déjà-vu qu'on a quand on écoute un morceau. Je pense notamment à Last Remnants, qui est le morceau principal de l'album. C'est celui avec lequel on s'est dit, tiens, si on parlait de ça dans le podcast, en superposé, au-dessus de la nature, avec des oiseaux. Et c'est pas du négatif, hein. C'est pas du déjà-vu, genre on a déjà écouté ça, c'est du déjà-fait, c'est du surfait, y a pas d'inventivité. Bien au contraire, c'est très très inventif. Là, il y a quelque chose de nouveau, ne
serait-ce que par sa construction. L'album est, et ça c'est assez rare quand même pour être signalé, je pense, s'écoute vraiment dans un ordre et un sens précis. On a un crescendo dans les deux premiers morceaux, on a Last Rument qui est un petit peu l'axe de symétrie, et juste après c'est du décrescendo. On sait que la descente de l'album va être calme, douce, et que ça va pas poser de problème d'arrêter le lecteur CD, qu'on va se dire tiens, si je recommençais une petite expérience musicale avec ce jeune homme. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller jeter un petit coup d'œil, même peut-être une oreille finalement, sur cet incroyable EP, Corless, Yugen. Pendant ce temps, je vais trouver une solution pour descendre de ce baobab. Une fois n'est pas coutume, mais comme on est dans un lieu qui s'y prête plus tôt, on a troqué notre beau canapé en cuir contre ce petit banc en bois, où parfois, les amoureux viennent s'embrasser, se bécoter. C'est un endroit parfait pour chiller, c'est pour ça que nous avons parlé de Washed Out et de son prochain album qui sort mi-août. Washed Out et Écoute Prolongée, c'est une histoire d'amour qui commence en 2011 avec l'arrivée dans l'équipe du petit asiatique aux consonances siliennes, Maxime, qui a introduit le love avec You and I, un morceau toujours du même artiste, posté en 2011. Qui nous fait rêver. La soupe au chou. Cette ambiance, sable chaud, mouette moule, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Ernest Green, 30 ans, toutes ses dents, et qui fait de la bonne musique quand il s'agit de passer derrière les platines pour devenir Washed Out, cet homme incroyable, et qui a pour l'instant à son actif qu'un seul album, non moins fantastique, With and Without, rien à voir avec U2. Vous savez, c'est cet album de cet acabit-là, à peu près, hein. Et la pochette, c'est un couple qui s'entrelace tout doucement. Dans les draps avec écrit Washed Out with and Without. Donc, mi-août, Ernest, tôt, chapeau, nous promet de sortir un nouvel album, et il fait les choses dans l'ordre, ce fameux Ernesto, puisqu'il garde le même label avec lequel il a bossé, à savoir Sub Pop, et la même équipe de production, à savoir Nurse Barclay et Animal Collective. Donc, du beau monde. Bonjour la voiture. Donc, il y a plusieurs légendes qui tournent autour de cet album, à savoir qu'il serait. La principale étant dite qu'il aurait utilisé plus de 50 instruments pour tourner pour enregistrer son album, sans compter les samples, etc. C'est quand même une belle prouesse, puisque c'est vrai qu'on sait que cette chill wave, c'est un style de musique qu'on utilise quand même pas énormément d'instruments, il y a beaucoup de sonorités, etc. Mais c'est quand même souvent les mêmes. Là, il est dans une dynamique un peu nouvelle. Donc ça donne vraiment envie de savoir, ça me donne vraiment envie d'attendre. Ça me donne envie d'attendre. En fait, moi, j'attends cet album pour ça, en partie. Il annonce l'album et dans la foulée, il lance une vidéo promotionnelle dans laquelle il nous donne un petit peu une sorte d'atmosphère musicale de l'album. Alors, je sais pas si vous entendez là, mais moi ce que j'apprécie bien, c'est qu'on a ce côté vraiment très 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 frais, amoureux presque, léger, conte de fées sur la fin même de la vidéo. Et par la suite, il poste, enfin il n'y a pas longtemps, du moins il a posté, il a sorti son premier EP de l'album qui s'appelle It All Feels Right. Donc c'est pareil, ça reste dans la continuité de la vidéo promotionnelle. Je suis assez content parce que je me dis que du coup on a peut-être un nouvel album de Washed Out qui diffère vraiment du premier, c'est pas du tout les mêmes consonances. Donc pour ça, j'attends. J'en profite pour vous parler du coup de l'album de Board of Canada, donc on parlait dans le deuxième podcast. Je l'ai reçu, je l'ai écouté et je vous donne vite fait mon avis sur la chose. J'étais un peu déçu, bon, il est très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. J'étais un peu déçu, je mettais la barre très haut sûrement à cause de... On avait parlé de la campagne de pub qu'ils avaient faite autour. Je trouvais que c'était bien, bien branlé comme histoire. Là du coup je trouve qu'il est un peu mou et un peu long. Pour moi il n'est pas aussi bon que le deuxième. Après, c'est un avis très personnel. Beaucoup de copains qui l'ont préféré. Ouais. Et aussi pour vous dire que Nin, ça y est, a annoncé la date officielle de la sortie de son album, le 3 septembre. On va voir Nin à Rock en Seine. Donc ça va vous donner un peu la température pour les podcasts qui vont arriver. Attendez-vous peut-être à nous voir sur ce festival, qui sait. En tout cas, on essaiera de vous faire plaisir. Alors voilà, Écoute Prolongée, le troisième podcast, c'est fini. Je voulais en profiter dans cette dernière partie, et vite faire le générique, pour nous excuser plus ou moins de la durée d'attente entre le 2 et le 3. On a eu quelques soucis de micro, on n'avait pas le matériel, etc. Maintenant, c'est des choses qui sont révolues. Donc on devrait reprendre une activité normale, comme dirait PDA. Vous êtes vraiment nombreux à nous envoyer vos petits avis, vos petits mails, etc. Nous dire ce que vous en pensez. La voiture aussi, d'ailleurs, hein. On leur remercie pour sa petite devait être la cousine de machin karaoké. Okay. Merci en tout cas d'apporter ce que vous apportez avec Écoute Prolongée, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et moi je vous dis à très vite, peut-être même à dans deux semaines, peut-être même moins. N'oubliez pas d'écouter la musique, c'est trop cool. Et puis voilà, on se quitte sur ce plan de banc extraordinaire. On va partir après. Comme ça.
cheek to a thrill that I